ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أما بعد يا إخوتي الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشغر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعادنا الله منها. طيب يا أخوتي الكرام، ندخل في باب جديد من أبواب هذا الكتاب القيم، واسم هذا الباب علامات أهل البدع. فقد ذكر المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى 12 علامة يتميز بها أهل البدع عن أهل السنة والجماعة. نعم. Nous entamons donc un nouveau chapitre parmi les chapitres de ce livre qui s'intitule « Les signes distinctifs des gens de l'innovation ». Alamatu ahlil bid'ah, les signes distinctifs des gens de l'innovation. Effectivement, le mu'allif, l'auteur de ce livre, a cité 12 alamat, tout en sachant que ce n'est pas une liste exhaustive. Mais ce sont les 12 principales, 12 signes distinctifs par lesquels se caractérisent les gens de l'innovation par rapport aux gens de la sunna. Taïb. Yaqulu al-mu'allifu, hafidhahu Allahu tabaraka wa ta'ala, محمد سعيد رسلان، أهم علامات أهل البدع الفرقة التي نبه الله عليها في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. Donc le premier signe distinctif, si ce n'est le plus important, c'est la division, الفرقة. La division contre laquelle Allah nous a mis en garde dans le verset coranique suivant: ceux qui émiettent leur religion. Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes. De cela, tu n'es pas responsable de leurs agissements. Effectivement, ce verset coranique vient mettre en évidence que ceux qui divisent leur religion, d'accord, et qui se constituent en clan, de ces gens-là, le prophète a été innocenté. Naam. Faqad bara'a Allahu tabaraka wa ta'ala nabiyahu mimma hum fihi. Allah a innocenté son prophète quant à leurs agissements ou sur les voies qu'ils suivent, les voies dissidentes qu'ils suivent en dehors de celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala Ibn Kathir rahimahu Allahu tabaraka wa ta'ala fi tafsirih adh-dhahiru anna al-ayata عَمَّةٌ فِي كُلِّ مَنْ فَارَقَ دِينَ اللَّهِ. Ce qui apparaît clairement, c'est que ce verset s'applique à tous ceux qui s'écartent de la religion d'Allah. وَكَانَ مُخَالِفًا لَهُ, tout en y étant réfractaire et désobéissant. فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. Certes, Allah a suscité son envoyé avec la guidée et la religion de vérité pour la faire triompher sur toute autre religion. D'accord ? Ceci est corroboré par un verset coranique.
point. وَشَرْعُهُ وَاحِدٌ لَاخْتِلَافَ فِيهِ وَلَافْتِرَاقَ. Sa législation est une. Elle ne comporte aucune divergence ou dissension. فَمَنْ اِخْتَلَفُوا فِيهِ وَكَانُوا شِيَعَ أي فِرَقًا كَأَهْلِ الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ وَالْأَهْوَاءِ وَالضَّلَالَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ بَغْرَأَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا هُوْ فِيهِ. Ce qui signifie, quant à ceux qui ont divergé et se sont divisés en sectes, c'est-à-dire en groupes, comme les gens des autres religions, les gens de la passion ou de l'égarement, Allah a innocenté son envoyé sur ce sur quoi ils sont, comme dissension et autres. Vous avez compris les frères? Donc, ce verset coranique constitue une mise en garde sévère contre tous ceux qui voudraient déroger à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se constituer par la même en clan. Naam, Shia. De même qu'Allah a innocenté son prophète et l'a déclaré innocent de toutes ses dissensions et de tous ses égarements. Naam, le prophète a appelé à une voix unique. Naam, da'a ila dinin wahid wa minhajin wahid. Dans les fondements de la religion et dans ses ramifications aussi. L'imam Shatibi, qui est un des grands savants de cette communauté, qui a vécu en Andalous. D'accord ? وقد ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام. الاعتصام c'est un des grands ouvrages des gens de la Sunna. Si ce n'est qu'il constitue un marja. Marja, c'est-à-dire un livre référence chez les gens de la Sunna. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أهل الأهواء وبين أن لهم علامات ذكرها يتميزون بها عن أهل السنة ذكر منها الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. L'imam Shatibi dit dans son livre Al-I'tisam, citant les gens de la passion et mettant en évidence le fait qu'ils se caractérisent par des signes distinctifs et se différencient par là même des gens de la Sunna, il cite quelques-unes de ces alamat, quelques-uns de ces signes distinctifs. Il dit la division, Al-Furqa, contre laquelle Allah nous a mis en garde dans le verset suivant. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues. Ce sont des versets qu'on a eu déjà l'occasion de voir dans des cours précédents. D'accord ? Il est toujours bon de les rappeler afin qu'elles s'imprègnent, afin que ces versets plutôt s'imprègnent dans nos cœurs. Puis l'imam Shatibi continue dans ses propos et il dit, il cite un verset coranique. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. C'est un verset qui se trouve dans Surat Al-Ma'idah, la table servie, où Allah dit, tabaraka wa ta'ala, nous avons jeté parmi eux l'inimité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Alors l'imam Ibn Wahb rapporte de Ibrahim al-Nakhai concernant ces versets coraniques, et nous avons jeté parmi eux l'inimité et la haine jusqu'au jour du jugement, il dit, ceci relève de la polémique et des querelles. Se quereller, polémiquer sur la religion sans preuve, sans argument, ou alors en prenant des bases erronées. Tout cela mène à quoi ? Qu'ils aient de l'aversion les uns envers les autres, qu'ils se disputent, qu'ils se querellent. Et tout ceci, bien sûr, est strictement interdit dans la religion. Mais ce n'est le fruit que de leurs querelles et de leurs polémiques dans le faux. Un peu plus loin, l'imam, ou l'al-mu'allif, l'auteur du livre, cite une parole de l'imam al-Ajuri, un grand imam parmi les salaf. وذكر الآجوري رحمه الله عن معني بن عيسى قال انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي فلحقه رجل يقال له أبو الجبرية أو أبو الجويرية كان يتهم بالإرجاء فقال يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيه فقال فإن غلبتني قال إن غلبتك اتبعتني
قال فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا قال نتبعه. الإمام الأجوري rapporte de Ma'ad ibn Issa qui a dit Malik ibn Anas, l'imam Malik, voulait un jour sortir de la mosquée. Alors, il se leva en s'appuyant sur ses mains. Lorsqu'un homme vint à sa rencontre, il se faisait appeler cet homme-là Abul Juwayriya ou Abul Jabriya. Et il était accusé de Irja. Irja, c'est quoi, mes frères? Ce sont des gens qui sont apparus déjà dès les premiers temps de l'islam. Après la mort du prophète, bien sûr. Ce sont des gens qui disaient que la foi ne se matérialise que dans le cœur et les paroles de la langue. Les actes ne font pas partie de la foi. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que les actes ne font pas partie de la foi. Et bien sûr, ça c'est une croyance qui est fausse. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a bien montré que les actes du cœur, la croyance du cœur, les paroles de la langue et les actes du corps font partie de la foi. Toutes ces choses-là font partie de la foi. Et ceci s'est corroboré par un hadith qui a été rapporté par l'imam muslim d'après une version de Abi Huraira, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith que vous connaissez tous, où le prophète a dit, Al-imanu bid'u wa sab'una shu'batan. La foi se compose de quelques 70 branches, entre 73 et 79, si on veut être plus précis. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. La plus haute de ces branches, c'est cette parole, shahadatul haqqi, shahadatul tawhid, ou kalimatul tawhid, la ilaha illallah. La plus basse, fa'adnaha imatatul adha anit tariq. C'est le fait de ramasser une chose sur le chemin des gens. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wal haya'u shu'batun min al-iman. Il dit la pudeur est une des branches de la foi. Donc on constate que, et on prend comme leçon de ce hadith, que le prophète a cité toutes les facettes de la foi. Il a dit que la plus haute branche de la foi, ou de cet arbre de la foi, c'est une parole. C'est la ilaha illallah. Donc on a déduit déjà que les paroles font partie de la foi. La plus basse, c'est un acte du corps. D'accord ? C'est, pour l'exemple, pour ce qui nous concerne ici, c'est le fait de ramasser un objet sur le chemin des gens. Une branche, une peau de banane, quelque chose qui pourrait porter préjudice à quelqu'un qui passe sur cette chose-là. Et la troisième chose, c'est el-haya, la pudeur. El-haya, c'est un acte du cœur. Vous voyez que dans la parole du prophète, on a toutes les facettes de la foi qui se matérialisent par des actes du cœur, paroles de la langue ou actes du corps. Par contre, el-murji'a, ils disent quoi? Ils disent que les actes ne font pas partie de la foi. Donc ça, c'est une erreur. Alors cet homme-là, on revient au athar sur lequel nous étions, cet homme-là qui s'appelle Abul Jabriya ou Abul Juwayriya, justement, on l'accusait de ceci, cet homme-là. Le fait de dire que la foi est juste une croyance du cœur et des paroles de la langue. Ou alors juste une croyance du cœur, suivant les écoles, les différentes écoles dans l'Irja. Il a dit quoi cet homme? Il a appelé l'imam Malik par sa kunya. Il lui a dit, « Ya Aba Abdillah, écoute ce que j'ai à te dire, en argumentant et en t'informant de mon avis. » Donc là, on sent que déjà il cherche un petit peu à polémiquer. Non? L'imam Malik qui lui dit, en argumentant comme ça, « Si tu prends le dessus sur moi, qu'est-ce qu'on fait ?» Il dit, si je prends le dessus sur toi, si je gagne dans ce débat ou dans cette polémique, tu me suis, tu suis mon avis. Et l'imam Malik, il lui a dit, et si une tierce personne venait dans la polémique ou dans le débat, qu'il nous tienne propos et que lui, il prenne le dessus sur nous deux, qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'homme, il a dit, bah, dans ce cas-là, on le suit lui, puisque c'est lui qui a eu le dessus dans le débat. إذن فقال الإمام مالك يا عبد الله بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. هذا الكلام مشهور جدا عند السلف والخلف. Non? C'est une parole qui est très connue chez les gens de la Sunna, d'une manière générale, à travers les époques.
L'imam Malik, il a dit quoi? Il lui a dit, oh Abdullah, Allah a envoyé son messager avec une seule religion, alors que je te vois passer d'une religion à une autre, d'un avis à un autre, d'une voix à une autre. Non? Et Omar ibn Abdelaziz, donc l'imam Malik, il s'appuie sur une parole de Omar ibn Abdelaziz. Et on avait vu quel était cet imam. Wa qala Omar ibn Abdelaziz. Et Omar ibn Abdelaziz a dit, écoutez bien cette parole, celui qui expose sa religion aux polémiques se verra changer fréquemment d'avis ou de position. Hein? Celui qui expose sa religion aux polémiques, aux avis de un tel et un tel, alors celui-là, vous le verrez toujours passer d'un avis ou à un autre. Il manquera de stabilité et de fermeté dans sa religion. Ceci contrairement aux gens de la sunna. Et ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard dans les cours futurs. C'est que les gens de la sunna se caractérisent, entre autres, par le fait qu'ils sont fermes sur la voie droite. Ils sont fermes. As-sabat ala al-haqqi. Non? Donc, ce propos a été rapporté par l'imam al-Ajurri fi al-Sharia. Wa an Hawsha bin an al-Hasani. Anna rajulan atahu. Faqal, ya Aba Sa'id. إني أريد أن أخاصمك فقال الحسن إليك عني فإني قد عرفت ديني وإنما يخاصمك الشك في ديني. Ce qui signifie, d'après Hawshab qui a rapporté de l'Hassan, quand on dit Al-Hassan comme ça, on parle de Hassan al-Basri, Al-Alim al-Zahid, نعم, من التابعين. Cet homme-là a dit, hein, Al-Hassan, il l'a appelé par sa kunya aussi, il lui a dit, oh Abu Sa'id. Abu Sa'id, c'est la kunya de Al-Hassan al-Basri. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, je souhaite polémiquer avec toi. Je souhaite rentrer en débat avec toi. Alors Al-Hassan, qu'est-ce qu'il lui a dit? Écarte-toi de moi, car je connais ma religion. Qad araftu dini, je connais ma religion. Ne polémiquera avec toi que celui qui doute sur sa religion. Non, mes frères. Les gens de la sunna, ils n'ont pas besoin de l'khusuma, ou l'jidal, ou l'mira. Ils n'ont pas besoin de polémiquer. Ils prennent leur science, ils prennent leur religion directement du livre d'Allah et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des compagnons du prophète. Ou des salaf salih d'une manière générale. Non? Regardez un petit peu comment étaient salaf salih, comment étaient les pieux prédécesseurs avec ce genre de personnes. Il n'y a pas ce qu'on appelle de tanazul, c'est-à-dire de concession. On ferme la porte directement à cette grande porte de mal qui est la polémique sans argumentation tirée du livre d'Allah et de la sunna du prophète. Vous voyez bien que ils avaient compris la gravité de ceci et c'est pour ça qu'ils avaient des positions qui étaient très dures et très fermes par rapport à ça. Non? Wa'an Sufyan عن عمرو بن قيس رحمة الله تبارك وتعالى على الجميع قال قلت للحكم يعني ابن عتيبة ما اتغرى الناس في هذه الأهواء أن يدخلوا فيها قال الخصومات. D'après Sofiane, d'après عمرو بن قيس, qu'Allah leur fasse miséricorde, qui a dit, j'ai dit à Al-Hakam, qui est en fait Ibn Utaybah. Qu'est-ce qui a contraint les gens dans ces passions à ce qu'ils y rentrent et qu'ils y adhèrent? Et on avait dit que les passions, mes frères, c'était quoi? Al-Ahwa, les passions chez les gens, chez les salafs, c'est les innovations religieuses, d'une manière générale. Il a dit, qu'est-ce qui a poussé les gens à rentrer dans ces innovations religieuses et à suivre leurs passions? Alors Al-Hakam il lui a dit, ce sont les polémiques, hein, Al-Khusumat, les disputes, les querelles, les discordes, chacun élevant son étendard, chacun se réclamant de la vérité, mais chacun ne se basant pas sur une preuve évidente de son Seigneur. En commentaire de ces athars qui sont très importants et que vous devez toujours avoir en tête, Cheikh Raslan dit, donc pour ceux qui ont lu, c'est la page 115.
يقول المؤلف أهل السنة اعتقادهم واحد لا يختلفون فيه ومعينهم الذي يصدرون عنه واحد وهو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين ولذلك لا يختلفون. Les gens de la sunna sont sur une même croyance. Non. Il n'y a pas plusieurs croyances en islam, comme pourraient le croire certains. La croyance de l'islam, al-aqida, elle est une, elle est unique. Non. Le prophète nous a enseigné qu'un seul credo, qu'un seul dogme. Les gens de la sunna sont sur une même croyance. Ils ne divergent pas quant à elle. Leur source dans laquelle ils puisent est unique aussi. C'est le livre d'Allah, la sunna du prophète, selon la compréhension des sahabes. C'est le livre d'Allah et la sunna selon la compréhension des purs prédécesseurs. C'est en ceci, ou c'est pour ceci qu'ils ne divergent pas. Voilà le secret, mes frères, pourquoi les gens de la sunna ne sont jamais en contradiction les uns des autres. Non, dans les fondements de la religion. Non, on ne parle pas ici des avis juridiques ou de jurisprudence. Mais on parle dans les fondements de la religion. Ils ne divergent pas. Tout simplement car ils prennent leur religion et leur source, le livre d'Allah, la sunna du prophète, selon la compréhension des sahabes. Wa amma ahlul bid'a'i fa innahum yakhtalifuna fil jil al wahid wa yakhtalifuna jilan ba'da jil. Quant aux gens de l'innovation, ils divergent entre eux, fussent-ils dans une même génération, à une même époque. Et, à plus forte raison aussi, dans des générations différentes ou à des époques différentes, ils divergent aussi entre eux. Comme ceci est évident pour celui qui observe les livres qui ont rassemblé leurs divergences. Naam. Kama huwa zahirun li kulli nadhirin fil kutub allati jama'at inhirafatihim. Idha nadharta ila ahli al-ahwa'i wal-bid'a'i, ra'aytahum mutafarriqin mukhtalifin shi'an wa ahzaba. لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد بل يبدع بعضهم بعضا بل يترقون إلى التكفير يكفر الابن أباه ويكفر رجل أخاه ويكفر الجار جارا تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف تنقضي أعمارهم ولا تتفق كلماتهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Quant aux gens de l'innovation, ils divergent entre eux, fussent-ils dans une même génération ou dans des générations différentes, comme ceci est évident pour celui qui observe les livres qui ont rassemblé leurs déviances. Si tu regardes les gens de la passion et de l'innovation, tu les verras divisés et constitués en clans et en sectes. Peu s'en faut que tu ne trouves pas deux personnes parmi eux qui ne soient sur une voie unique dans la croyance. Mais bien au contraire, ils s'accusent les uns les autres d'innovateurs, jusqu'à même s'excommunier de la religion les uns des autres. Le fils excommuniant son père. La personne excommuniant son frère. Le voisin excommuniant son voisin. Tu ne cesseras de les voir dans le conflit, l'aversion ou la haine et la divergence. Les années passent et leurs propos ne convergent pas. Non ? Tu les croirais unis alors que leurs cœurs divergent, car ce sont des gens qui ne savent pas. Non, mes frères. هذه من أهم علامات أهل البدع. ثم يقول المؤلف يأتي بمثال مشاهد. Par le مؤلف vient avec un exemple qui est palpable. يقول أو ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب. N'as-tu pas vu que Al-Mu'tazila, vous vous rappelez ce qu'est Al-Mu'tazila ? Mu'tazila, c'est une secte qui est apparue à l'époque des Tabi'in, où Wasid ibn Atta, qui était dans les assemblées de sciences de l'Hassan al-Basri, a fait scission d'avec cet imam. Il s'est écarté de cet imam sur des masa'il. Notamment, l'imam Hassan al-Basri était dans son assise quand un homme a questionné et lui a dit « Ya Abba Saïd ou Ya Cher, celui qui commet un péché ou celui qui commet des péchés, quel est son statut juridique? Comment doit-on le considérer dans l'islam ?» Alors l'imam Hassan al-Basri
s'est tu un long moment avant de répondre. Mais avant qu'il ne réponde, Wasil ibn Atta, qui était présent dans l'assemblée, s'est levé et a dit: moi j'ai la réponse. Falaysa bi mu'min wa laysa bi kafir. Walakin huwa fi manzilatin bayna manzilatayn. Non, il a dit: on ne le considère pas comme un croyant du fait de son péché. On ne le considère pas non plus comme un mécréant, car il n'a pas fait un acte annulatoire de l'islam. Mais il est dans une position intermédiaire ou médiane. Hadi bid'atun min al-qawl. Non, c'est une... il a ramené quelque chose que ni le prophète, ni les compagnons du prophète n'avaient dit auparavant. Alors, lorsque l'imam Hassan al-Basri a entendu ceci, et on connaissait son attachement à la sunna, et on connaissait sa science, et vous savez que les savants, d'une manière générale, voient des choses de très très loin. Ils voient des choses de très très loin. C'est-à-dire qu'ils voient les conséquences des péchés ou les conséquences des paroles et des actes avant le commun des gens. Lorsque l'imam Al-Hassan Al-Basri rahimahullah tabaraka wa ta'ala a entendu ce propos, il lui a dit: i'tazil 'anna, écarte-toi de nous. Il a fait ce qu'on appelle al-hajr. I'tazil 'anna, écarte-toi de nous. Alors qu'est-ce qu'il a fait cet imam, qu'est-ce qu'il a fait cet homme, Wasil ibn Atta? Il s'est adossé à un des piliers de la mosquée et il a commencé à appeler les gens à lui. Son cœur était enclin à la déviance. Non. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. Quant à ceux qui ont une déviance dans le cœur, ils chercheront dans le livre d'Allah ces versets à ambiguïté afin de créer la discorde, le conflit et de pouvoir les interpréter par une fausse interprétation. Ça, c'est le propre des gens de l'innovation et de ceux qui ont le cœur enclin à l'égarement. Alors cet homme-là, il a appelé les gens à sa voix, à lui, jusqu'à ce qu'il ait eu des suiveurs. Vous savez que c'était quelqu'un de très éloquent, Wasil ibn Atta. Par son éloquence, il a réussi à capter le cœur des gens. Le prophète n'a-t-il pas dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Wa inna fil bayan ila sihra » Il y a certes dans le discours ou les propos que peut tenir une personne une sorte d'ensorcellement ou de magie qui attire les gens. Non. Mais les gens de la sunna ne sont pas trompés par ça, alhamdoulilah. Les gens de la sunna regardent toujours la réalité du propos. À quoi elle appelle? Est-ce qu'elle est basée sur une base solide provenant du livre d'Allah et de la sunna du prophète? Amma, les beaux parleurs, ce n'est pas un critère de jugement pour les gens de la sunna. Walakin, pour le commun des gens, ceux qui n'ont pas le recul nécessaire ou la science nécessaire, ils peuvent être touchés par ceci. Et c'est ce qui s'est réellement passé. Il a eu beaucoup de suiveurs. Et parmi ceux qui l'ont suivi, il y a eu un homme qui s'appelait Amr ibn Ubayd. Et c'est par son biais que l'Azhab al-I'tizal s'est propagé. Alors vous voyez qu'au début, il était tout seul. Mais son innovation a pris de l'ampleur, jusqu'à ce que des années après, à l'époque de l'imam Ahmed ibn Hanbal, le mazhab et l'i'tizal était une religion d'État. Le calife, ou trois califes se sont succédés sur cette voie-là. Et ont appelé les gens à cette voie-là et ont châtié ceux qui venaient contredire cette voie-là. Vous voyez que l'imam Hassan al-Basri avait vu déjà la dangerosité de ce propos alors qu'il n'y avait que lui qui l'avait dit. Mais il avait vu la dangerosité et ce à quoi ça pouvait amener derrière, comme déviance et comme égarement. Alors, voilà le mazhab al-Mu'tazila, c'est celui-là. Mais regardez, des années après, al-Mu'allif, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: n'as-tu pas entendu que les Mu'tazila, malgré le fait qu'ils se réunissent tous sous une même dénomination, al-Mu'tazila, sous une même étiquette, les Mu'tazilites de Bagdad vont excommunier les Mu'tazilites d'Al-Basra. Et ceux d'Al-Basra vont excommunier de la religion ceux de Bagdad.
Et les partisans de Abi Ali al-Jubba'i, qui est une des têtes de Mu'tazila, vont excommunier les partisans de son fils à lui, Abu Hashim. Et les partisans de Abu Hashim vont excommunier les partisans de Abu Ali al-Jubba'i, son père. Non. ثم يقول المؤلف كذلك وكذلك سائر رؤوسهم أرباب المقالات منهم إذا تدبرت أكوالهم رأيتهم متفرقين يكفر بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. Il en est de même pour le reste des têtes de l'innovation. الروافد, الخوارج, المرجئة, نعم, الجهمية. Ou alors ceux qui sont connus pour leur discours dans ces voies-là. Lorsque tu médites sur leurs paroles, tu verras qu'ils sont tous en divergence les uns des autres. Et ils s'excommunient les uns des autres. يقول المؤلف بعد ذلك وكذلك الخوارج والروافد فيما بينهم وسائر المبتدعة بمثابتهم. Il en est de même des خوارج. Khawarij, on avait vu que Al-Khawarij, c'est les premiers qui sont sortis de la voie du prophète. La première secte qui est sortie dans l'islam, c'est le Khawarij. Ils étaient déjà présents à l'époque du prophète. Mais ils sont restés en retrait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le prophète qui était là. Le prophète tranchait entre tout le monde. Personne ne pouvait discuter. Non ? Mais dès lors que le prophète est mort, alayhi wassalam, le califat de Abu Bakr, qui a duré à peu près 2 ans. Le califat de Omar, qui a duré 10 ans. Non ? Ils sont restés encore dans l'ombre, en retrait. Pourquoi ? Car Abu Bakr avait cette légitimité qu'avait le prophète, alayhi wa salam. Non ? De sorte que les gens n'osaient pas non plus, ceux qui avaient cette déviance dans le cœur, n'osaient pas apparaître au grand jour. À l'époque de Omar, Omar tenait l'islam d'une main de fer. Personne ne parlait à l'époque de Omar. Et Omar, il était connu pour ses prises de position, sa défense de l'islam authentique et la réfutation qu'il faisait sur tous ceux qui viendraient la contredire. Mais lorsque Othman est devenu calife, et Othman était connu pour sa mansuétude, pour son sang-froid, pour sa patience, le fait qu'il pardonnait beaucoup aux gens. Les gens qui avaient un enclin à l'égarement ont saisi l'occasion. Les troubles ont commencé à l'époque de Uthman ibn Affan. Al-Khawarij ont commencé à sortir au grand jour à l'époque de Uthman ibn Affan. Non ? Jusqu'à ce que ce sont eux qui l'ont tué. Jusqu'à ce que ce sont eux qui ont comploté et qui l'ont tué. Alors qu'il était en train de lire le Coran chez lui. À l'époque de Ali, Ali les a combattus. Et Ibn Abbas a essayé de les raisonner. Khawarij, c'est la première secte qui est sortie dans l'islam. Puis il y a Al-Rawafid. Rawafid qui sont venus juste après eux. Rawafid, on les appelle Rawafid لأنهم رفضوا زيد بن علي أو رفضوا خليفة أبي بكر وعمر. Ce sont eux qui ont refusé qui زيد بن علي, ابن الحسين بن علي. Ils l'ont rejeté en disant que il ne faisait pas partie d'eux. Alors que Zayd ibn Ali, c'était quelqu'un qui était sur la sunna du prophète. Et c'est pour ceci qu'ils l'ont rejeté. On les appelle aussi Rawafid car ils ont refusé ou ils ont rejeté le califat d'Abu Bakr et Omar. Et à plus forte raison celui de Uthman. En voyant et en considérant que la primauté revenait à Ali ibn Abi Talib. Rawafid, c'est une secte qui est égarée et qui existe encore de nos jours. On appelle de nos jours les chiites. Et donc, يقول المؤلف, il en est de même de l'Khawarij ou Rawafid. Entre eux, ils divergent entre eux. Ne pensez pas que Rawafid, il constitue une seule et même religion ou un seul et même corpus. Ils sont divisés entre eux. Il y a le Ja'fariya, l'Ismaïliya, l'Zaïdiya, l'Ithna Ashariya, etc., etc., etc. وَيُكَفِّرُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Ils s'excommunient les uns les autres. وَيُضَلِّلُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Il en est de même pour Al-Khawarij. Non. Si vous ne pouvez pas vous imaginer combien il y a eu de sectes chez Al-Khawarij. Non.
Saad al-Hussein, dans un de ses livres, les a dénombrés. Cher Saad al-Hussein, Hafidahullah tabaraka wa ta'ala, les a dénombrés. Chacun, à chaque fois qu'il y avait une dissension, avec à sa tête un homme qui est appelé à cette voie-là, peu de temps après, de ce groupe-là sortait un autre groupe. يقول المؤلف وهل على الباطل دليل هو أظهر من هذا الدليل؟ N'y a-t-il pas une preuve plus claire que celle-ci concernant leur égarement? Non, le fait que ils se combattent les uns les autres, ils s'excommunient les uns les autres, ils se rendent innovateurs les uns les autres. C'est une preuve claire et nette, mes frères, qu'ils sont sur le faux. Que toutes ces factions, que tous ces groupes sont sur le faux. Non, car Allah dit dans le Coran, tabaraka wa ta'ala, « وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ » Ne soyez pas comme ces associateurs qui ont émietté et divisé leur religion, chacun étant content et satisfait de ce qu'il a. Non, chacun revendiquant la vérité pour lui-même. Donc ceci, mes frères, lorsque vous voyez tous ces groupes-là, ceci nous prouve qu'ils sont sur une voie qui est fausse. وهذا في مقابل الدليل الذي مر. Et ceci vient en opposition à la preuve, aux preuves que nous avions déjà citées, ou qui ont déjà été évoquées dans le livre. Les preuves comme quoi les gens de la Sunna appellent à l'union autour du livre d'Allah et de la Sunna du prophète. Ils n'appellent pas à la discorde. ظاهر كالشمس في رابعة الضحى في كبد السماء. Aussi clair que le soleil en plein jour ou en pleine matinée dans un ciel dégagé de tout nuage et sans brouillard ni voile. Naam. والذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على مثل ما كان عليه وما كان عليه اصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. Ceux qui suivent l'envoyé ou le prophète صلى الله عليه وسلم sont sur ce quoi il était, عليه السلام, ainsi que ses compagnons. هم أهل الحق حقا وصدقا. Ce sont les gens de la vérité, en toute vérité et en toute sincérité. وأما أهل البدع والأهواء فمتفرقون مختلفون. Quant aux gens de l'innovation et de la passion, ils sont divisés et en opposition les uns envers les autres. لا تجد اثنين منهم على طريقة واحدة يبدع بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وبأسهم بينهم شديد. Ce qui signifie: quant aux gens de l'innovation et de la passion, ils sont divisés et en divergence. Tu ne trouveras pas deux personnes parmi elles sur une voie unique, s'accusant d'innovateurs les uns les autres, ou de mécréants, ou bien se combattant les uns les autres. Leurs dissensions internes sont extrêmes. Non, atteignent leur paroxysme. C'est pour ceci que juste après le Mu'allif rapporte une parole qu'on avait déjà citée en introduction de ses cours. Naam, essayez de l'avoir en tête, mes frères, cette parole, car elle est très importante. C'est une parole de Abu al-Aliya, qui est un tabi'i, Rufai' ibn Mihran, qui a dit « Ta'allamu l'islam ». Apprenez l'islam. « Ta'allamu l'islam », apprenez l'islam. « Fa'idha ta'allamtumuhu, fala targhabu anhu ». Lorsque vous l'aurez appris, lorsque vous aurez compris les bases de l'islam, ne divergez pas d'elle, cette religion, ou de lui, de l'islam. Wa alaykum bis-siratil mustaqim. Et cramponnez-vous à la voie droite, car elle représente l'islam. Fa innahu l'islam. Wa la tahrifu l'islam yaminan wa la shimala. Et ne déviez pas de l'islam, ni à droite, ni à gauche. وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ. Et accrochez-vous à la sunna de votre prophète. وَالَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ. Et ce sur quoi étaient les compagnons du prophète. Rappelez-vous, سلف الصالح ربطوا بين النبي وأصحابه دائما. نعم, ربطوا بين النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي وسنة الصحابة ارتباط شديد. Ce sont deux choses indissociables.
la voix du prophète et la voix des compagnons. Et on avait cité des preuves dessus. Alors ici, Aboul Aliya nous dit, accrochez-vous à la sunna de votre prophète ainsi que celle de ses compagnons. Et prenez garde à ses passions, à ses divisions, à ses innovations religieuses qui jettent parmi les gens l'inimité et la haine. Naam, les divisions, les innovations religieuses, le suivi des passions, tout ceci nous amène à quoi? Naam, al-ada wa tawal barda. L'inimité, qui est le contraire de l'amitié. Wal barda, la haine, qui est le contraire de l'amour. Al-ada wa, la takunu al-ada wa tu illa mu'lana. Naam, al-ada wa, elle est toujours extérieure. C'est montrer une inimité, ou une animosité, si on peut dire, mais extérieure. Amma al-barda, c'est un acte du cœur. C'est que tu éprouves de l'aversion ou de la haine pour un tel ou un tel. Naam. Le fait de se détacher de la sunna du prophète, ça va t'emmener à détester un tel et un tel parmi les musulmans. Notamment les gens de la sunna. Wa qala al-imam Ahmad fi wasf ahli al-ilm min ahli sunnah fi jihad ahli al-bid'ah. L'imam Ahmad dit concernant la description des gens de science parmi les gens de la sunna dans le combat qui les oppose aux gens de l'innovation. Comme disent les savants, l'islam a été sauvé à deux reprises par le biais de deux hommes. Allah a sauvé l'islam ou la sunna par le biais de deux hommes. Le premier c'est Abu Bakr. Lorsque le prophète est mort, la plupart des gens ont apostasié leur religion. Abu Bakr a eu une position ferme en disant « Je combattrai ceux qui font la différence entre al-zakat ou al-salat. » Non, car ces gens-là disaient quoi? Le prophète était vivant, nous nous acquittions de la zakat au prophète. Le prophète est mort, nous ne sommes plus assujettis à la zakat. Non, ceux qui font la différence entre la zakat et la salat, je les combattrai. Non. Et Omar l'a suivi dans ceci. Par ce biais-là, ou par cette position ferme qu'a eu Abu Bakr, les gens sont revenus dans l'islam. Non. Les gens sont revenus dans l'islam. Le deuxième homme par lequel Allah a préservé la sunna, c'est l'imam Ahmed. Dans la position ferme qu'il a eue en face de Al-Ma'mun, ou Al-Mu'tasim, ou Al-Wathiq, ces trois califes abbasides qui l'ont châtié, dénigré, rabaissé, emprisonné, mis à terre, en essayant de le contraindre à dire la parole que eux disaient sur le Coran, à savoir que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Mais l'imam Ahmed est resté sur une position ferme. Par le biais de cette position, la sunna a été préservée jusqu'à ce qu'elle ait arrivé jusqu'à nos jours. Wal fadlu min Allahi tabaraka wa ta'ala wahdahu la sharika. Il a dit l'imam Ahmed, يقول ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبتدين وتأويل الجاهلين. Les gens de la sunna, ils préservent cette religion ou ils préservent le livre d'Allah comment? Ils défendent le livre d'Allah contre l'altération des exagérateurs, l'usurpation des négationnistes et la fausse interprétation des ignorants. الذين عقدوا ألوية البدعة, ceux-là même qui ont élevé l'étendard de l'innovation religieuse, وأطلقوا عنان الفتنة, et qui ont libéré les brides de la fitna, فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب. Ils sont en divergence concernant le livre et la sunna, en opposition au livre et unis dans l'opposition au livre d'Allah. Non, ils sont en divergence, en opposition au livre d'Allah, et ils sont tous unis. Qu'est-ce qui les rassemble, tous ces gens-là? Leur point commun, c'est quoi? C'est qu'ils sont tous en opposition par rapport au livre d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Yaquluna ala Allahi, wa fi Allahi, wa fi kitab Allahi bi ghayri ilm. Yatakallamuna bil mutashabihi min al kalam, wa yakhda'una juhal al nasi bima yushabbihuna alayhim. Ce sont des paroles en or, mes frères. Wallahi, ce sont des paroles en or. Il dit, il parle sur Allah et au nom d'Allah sans science.
Ils emploient des propos équivoques, trompant par ceci les ignorants parmi les gens. Naam, on va le voir un peu plus loin, inshallah. Donc mes frères, en résumé, bien sûr que le Mu'allif a rapporté beaucoup plus de contenu par rapport à ce point-là, al-furqa. Naam. C'est pour ceci que Cheikh l'Islam disait, Ibn Taymiyyah, il disait que les gens de la sunna, on les appelle comment ? Ahlul sunnati ou al-jama'a. Et les gens d'innovation, on les appelle ahlul bid'ati ou al-furqa. En opposition à aux gens de la sunna. Ahlul sunnati, en opposition, ahlul bid'ati. Ou al-jama'a ou al-furqa. Donc voilà la première caractéristique, si ce n'est la plus importante, par laquelle se caractérisent les gens d'innovation, c'est la division naam, entre eux. Et à plus forte raison, la division ou l'opposition qu'ils portent aux gens de la sunna. La deuxième chose, la deuxième alama, donc c'est la page 118 du livre, Ittiba'un mutashabi, c'est le fait de suivre les versets à équivoque. Naam. في القرآن يا أخوتي الكرام هناك يعني ملاحظة فقد وصف الله تبارك وتعالى كتابه العظيم بثلاث صفات ثلاث صفات من حيث الاشتباه والإحكام يقول تبارك وتعالى أو وصف الله تبارك وتعالى كتابه بأنه محكم كله نعم كل القرآن وكل الكتاب محكم أي متقن ذو إتقان نعم يقول الله تبارك وتعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألف لام راء كتاب أحكمت آياته أي أتقنت نعم القرآن متقن في كل شيء في أخباره لا كذب فيه نعم في أحكامه لا جور فيه في مدلولاته لا تناقض فيه Allah tabaraka wa ta'ala a qualifié son livre par trois caractéristiques concernant cette terminologie. Al-muhkam wa al-mutashabi. Il a dit une première fois que le livre, tout le livre en entier, sans exception, est muhkam. Parfait. Parfait dans quoi ? Dans les informations qu'il nous donne. Les informations véridiques qu'il nous donne de telle sorte qu'il n'y a pas de mensonge. Akhbarun sadiqa. Muhkam aussi, ou parfait, dans les lois religieuses. De telle sorte qu'il n'y a aucune injustice dedans. Et la parole de ton Seigneur, c'est parfaite en toute vérité et en toute justice. En toute vérité dans les informations qu'il nous donne. Ce Coran ne comporte aucun mensonge par rapport aux informations qu'il nous donne. Il ne comporte aucune injustice dans les lois religieuses. Toutes les lois d'Allah sont justes, quelles qu'elles soient. Même si les gens les voient injustes. Non. Certaines personnes, même parmi des musulmans, disent que les lois d'Allah ou certaines lois d'Allah ne sont plus applicables à notre époque. Ce sont des lois barbares. Ceci reviendrait à qualifier Allah d'injustice. Non. Donc toutes les lois d'Allah sont justes et elles contiennent la miséricorde. Et aussi, le livre est parfait dans des choses qu'il souhaite nous montrer. Al-Madloulat. Dans les significations, de telle sorte qu'il ne comporte aucune contradiction. C'est pour ceci qu'Allah s'est qualifié par deux qualificatifs, deux attributs divins. Al-Hakim, qui est contraduit par le sage. Le sage, c'est quoi ? Al-Hakim, c'est celui qui pose chaque chose à sa place. C'est poser chaque chose à sa place. C'est parler lorsqu'il faut parler. C'est se taire sur les choses sur lesquelles il faut se taire. C'est outrepasser sur les choses sur lesquelles il faut outrepasser. C'est châtier lorsqu'il faut châtier, etc. etc. Al-Hikma, c'est un attribut divin. Al-Hikma, c'est un attribut divin. Allah s'est appelé Al-Hakim. Aussi, Al-Hakim, ça comprend el-hikma, mais ça comprend aussi el-hukm, comme sifat, le jugement. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala les juge. La justice d'Allah tabaraka wa ta'ala n'est comparable à aucune autre justice. La justice d'Allah, elle est parfaite. Et elle relève de sa science. Donc le Coran est muhkam.
Ça, c'est déjà la première chose. Mais Allah a qualifié aussi son Coran de mutashabi. Non. Allah nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathani. Allah a descendu le plus beau des récits, le Coran, mutashabihan mathani, dont les versets se ressemblent, non, sont semblables les uns des autres. Taqsha'iru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فلا فما له من هاد. C'est un verset dans sourate Az-Zumar où Allah dit, Allah a descendu le plus beau des récits, le Coran, dans lequel les versets se ressemblent les uns les autres. On va voir dans quoi ils se ressemblent. La peau de ceux qui craignent leur Seigneur frissonne lorsqu'ils entendent ce Coran. Hada min simati ahli al-khashya. Ça fait partie des caractéristiques de ceux qui craignent Allah. Lorsqu'ils entendent le Coran récité, leur peau elle frissonne. On comprend de ceci que ceux qui écoutent le Coran ou qui entendent le Coran mais qui n'ont pas la peau qui frissonne, ceux-là n'ont pas encore atteint al-khashya. Ils doivent essayer, se forcer d'atteindre et de se corriger par rapport à cette défaillance. Puis Allah dit, puis la peau et les cœurs de ces gens-là s'apaisent au rappel d'Allah. Naam. Le Coran, c'est une source d'apaisement. Pour qui? Pas pour n'importe qui. Pour ceux qui croient, pour ceux qui craignent leur Seigneur. Naam. Et Allah dit juste après, tabaraka wa ta'ala, voici la guidée d'Allah, naam, par laquelle Allah guide qui il veut. Et celui que Allah égare, tu ne trouveras personne pour le guider. Ce verset nous montre clairement que les versets du Coran sont mutashabi, équivalents ou semblables. Les savants expliquent comment ils sont semblables dans mutashabi fil jawdati. Naam, fil jawda. Dans la qualité, fil jamal, dans la beauté. Naam, kul Coran. Min surat al-Fatiha ila surat al-Nas. Tout le Coran est beau, même si nous on ne le voit pas. Naam. Mais tout le Coran est beau. Dans les syntaxes, dans les tournures des versets, dans l'éloquence. Non, c'est en ceci que le Coran est mutashabihun, mutashabihun kullu. Maintenant, on a un troisième verset dans le Coran. Où Allah nous dit, هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. Donc, Allah, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre qui contient des versets qui sont muhkam et d'autres qui sont mutashabi. Comment on comprend le mot ou le terme muhkam et le terme mutashabi dans ce verset coranique? Il n'a pas le même sens que de ce que je vous ai cité juste avant. Et c'est pour ça que je vous ai cité, que je vous ai fait cette petite parenthèse, afin que vous ne soyez pas troublés lorsque vous passerez par ces différents termes ou ces termes-là qui n'ont pas la même signification dans leurs versets respectifs. Dans ce verset-là, et c'est celui qui nous intéresse ici, Allah dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, lequel contient des versets qui sont muhkam et d'autres qui sont mutashabi. Ceux qui sont muhkam, ils constituent la base du livre. Quant à ceux qui sont mutashabi, je vais expliquer ce que ça veut dire. Alors, les gens dont leurs cœurs sont enclins à la déviance, ils vont justement rechercher ces versets mutashabi afin de semer la discorde et afin de chercher une mauvaise interprétation. Ou plutôt une interprétation qui vient conforter leur voix innovatrice ou déviante. Et nul ne connaît le sens de ces versets équivoques, sauf Allah. Ou alors, nul ne connaît l'explication de ces versets à équivoques, sauf Allah et les gens versés dans la science. Qu'est-ce qu'il veut dire ce verset? Il est très important à comprendre. Al-ayat al-muhkamat. Ce sont des versets référents dans le Coran. Ce sont des versets qui sont clairs en eux-mêmes. Naam. Et je vais vous rapporter une parole de l'imam Shatibi, fi kitab al-i'tisam, qui va venir expliquer ce verset coranique, afin qu'il soit plus parlant pour vous. Les versets clairs, ce sont les versets qui constituent des preuves en eux-mêmes. Naam. Qui n'ont pas besoin d'autres preuves pour venir les expliquer. Comme par exemple, Allah dit tabaraka wa ta'ala,
Allah, الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. Allah, c'est lui le seul qui doit être adoré, ou c'est lui le seul qui mérite l'adoration. El Hayyul Qayyum, le vivant, El Hayyul, El Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et celui par qui tout subsiste. Ou El Qaimu bi nafsihi, El Qaimu ala ghayrihi. Alors ce verset-là, il déclare en lui-même. Il nous indique quoi ? Wahdaniyatullah tabaraka wa ta'ala fi l'ibada. C'est qu'Allah, lui seul, est en droit d'être adoré. Lui seul. C'est un verset qui ne porte aucune équivoque. Il est clair en lui-même. Alors, il constitue une preuve. Il y a d'autres versets dans le Coran qui ont besoin d'explications. Qui ont besoin d'autres textes du Coran ou de la Sunna qui viennent les expliquer. Par exemple, les versets qui ont une portée générale, qui ont besoin d'être expliqués par des versets qui ont un sens restrictif. Ou des versets qui sont absolus, qui ont besoin d'être expliqués par des versets qui sont liés ou attachés. Al-mutlaq ou al-muqayyad, al-am ou al-khas. Ou des versets qui ont une portée, qui ont un sens global, qui ont besoin d'être expliqués par des versets qui ont un sens explicatif. Non ? Ou instructif. Al-mujmal ou al-mufassir. Regardez ce que dit l'imam al-Shatibi concernant ces versets coraniques. C'est une parole qui est très importante. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة. Il dit l'imam al-Shatibi, les savants savent que chaque texte comportant une ambiguïté ou une obscurité qui n'est pas claire dans le sens ne constitue pas en réalité une preuve. On ne peut pas s'appuyer sur ce genre de texte pour en déduire des lois religieuses. Non ? Jusqu'à ce que son sens s'éclaircit et qu'apparaisse ce qui est voulu par elle, par cette preuve ou par ce texte. يقول حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور التشبيه فليس بدليل. Il dit, ceci est conditionné par le fait qu'elle ne doit pas être en contradiction vis-à-vis d'un fondement catégorique et formel, un fondement de la religion qui est clair. Si son sens voulu n'apparaît pas du fait qu'elle englobe plusieurs significations ou qu'elle vient s'opposer à un fondement catégorique, comme l'apparition d'une ambiguïté, alors elle ne constitue aucunement une preuve. Car la réalité de la preuve repose sur le fait qu'elle doit être claire par elle-même. C'est qu'une preuve, par définition, elle n'a pas besoin d'une autre preuve pour venir l'expliquer. Elle est claire en elle-même et on s'appuie sur elle-même. Quand je parle de preuve ici, c'est un verset coranique par exemple. Ou c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit être clair en lui-même. C'est ce qu'on appelle muhkam. C'est ce qui est voulu dans le verset coranique de Surat Ali Imran. Naam. Ou allazi أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. Il y a dans le livre, nous avons fait descendre sur toi le livre, dans lequel il y a des versets محكم, dont la signification est claire et nette, et dont on peut prendre ou comme dalil ou comme preuve religieuse. لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودلا على غيره. Donc la réalité de la preuve repose sur le fait qu'elle doit être claire par elle-même et indicatrice vers autre qu'elle. Elle doit être claire en elle-même et elle doit aussi nous prouver autre qu'elle. وَإِلَّا إِحْتِيجَ إِلَى دَلِيلٍ عَلَيْهِ فَإِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ صِحَّتِهِ فَأَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ دَلِيلًا. Si ce n'est pas le cas, si ce texte-là ne constitue pas une preuve en elle-même dans le sens où il reste obscur, il a besoin d'explication, alors elle a besoin d'un autre texte qui viendra l'expliquer justement. Si une preuve nous indique sa non-conformité, à plus forte raison, elle ne constitue en rien une preuve. ثُمَّ يَقُولُ وَمَدَارُ الْغَلْتِ فِي هَذَا إِنَّمَا هُوَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ. Il dit la cause principale de l'erreur concernant ceci se résume en une seule phrase. De même, Shatibi dit la cause principale de l'erreur. Autrement dit, ce que font les gens d'innovation concernant
التعامل مع النصوص الشرعية. Comment on doit se comporter face aux textes religieux? Il dit, elle se résume en une seule phrase. إنما هو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض. C'est l'ignorance de la personne concernant les buts recherchés de la législation ou par la législation. La personne ne connaît pas ou est ignorante de l'objectif qui est voulu par Allah à travers sa législation. Il dit aussi, et la non-jonction des textes religieux les uns envers les autres. Et ça, on l'avait déjà vu, mes frères. C'est que les gens d'innovation, lorsqu'ils ont en face d'eux les textes du Coran et de la Sunna, ils ne considèrent pas le Coran et la Sunna comme une législation unique et uniforme, comme on va le voir. Mais ils prendront du livre d'Allah et de la Sunna du prophète des bribes, des versets, des hadiths qui viendront bien sûr conforter, appuyer, légitimer leur voix déviante ou innovatrice. C'est ce que va dire ici l'imam Shatibi. Il dit فَإِنَّ مَآخِذَ الْأَدِلَّةِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الرَّاسِخِينَ إِنَّمَا هِيَا أَنْ تُؤْخَذَ الشَّرِيعَةُ كَالسُّورَةِ الْوَاحِدَةِ. Non. Car la source des preuves chez les savants enracinés dans la science se détermine dans l'ensemble de la législation uniformément. Les gens de la sunna ou les savants considèrent les textes religieux ou la législation de façon uniforme, comme un bloc. Non. La science ou la législation ou l'islam, on le prend du livre d'Allah en entier et de la sunna du prophète en entier. Et pas une partie en délaissant une autre. Pas une partie du livre ou une partie de la sunna en faisant abstraction du reste. Mais on prend la totalité du livre d'Allah et la totalité de l'ensemble de la sunna du prophète qui a été authentifiée et qui a été établie comme remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعمها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر بمبينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها. Ce qui signifie, donc ils prennent la législation uniformément par rapport à ce qui a été établi dans de ses généralités et de ses particularités, c'est-à-dire de cette législation, qui en découle. Ou l'absolu devant être ramené au lié, ou le global devant être ramené à l'explicatif, et autres. Non, mes frères ? Effectivement, dans le Coran, on a des versets qui ont une portée globale, « Am ». Ces versets-là, on ne peut les comprendre, et on ne doit les comprendre que en le ramenant à des particularités qui se rapportent à la même loi, à la même problématique. Non. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On fait abstraction de certains textes religieux. Je vous donne un exemple très simple. Allah tabaraka wa ta'ala, pour celui qui jure à tort, ce qu'on appelle al-yamin ou al-kaziba, celui qui jure à tort, celui-là, il a une expiation à faire. Allah lui demande de jeûner 3 jours, ou de nourrir 60 pauvres, ou de libérer un esclave. Non ? Ou de libérer un esclave. Est-ce que ici, libérer un esclave, si on prend le verset coranique comme ça, lui tout seul, c'est n'importe quel esclave, qu'il soit musulman ou qu'il soit mécréant. Ce n'est pas précisé dans le verset. Or, dans un autre verset coranique, que soit Al-Nisa, Allah nous explique que la personne, elle doit libérer un esclave croyant. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Donc, ce verset-là, ce deuxième verset-là, vient restreindre le premier. Le premier qui est absolu, mutlaq, le deuxième qui est muqayyad. Donc on en déduit que le premier verset coranique, on doit aussi libérer un esclave qui est croyant. Non ? Donc, c'est en rassemblant l'ensemble des textes religieux qu'on peut en déduire la règle religieuse. Si on ne fait pas ce travail, on restera dans l'absolu ou le global, non ? Ou le mujmal. Quelque chose qui reste vague. Et là, on sera amené à, oui, on sera exposé à toutes sortes de déviances et d'égarements. Donc voilà la deuxième caractéristique des gens de l'innovation. C'est qu'ils suivent ces versets à ambiguïté. Ils suivent ces versets coraniques, ils suivent cette méthodologie, car s'ils suivaient la méthodologie des gens de la Sunna,
alors ils seraient en contradiction évidente avec ce sur quoi ils sont. Donc ils viendront, ils préfèrent plutôt rester global et ne pas rentrer dans les détails afin de pouvoir rentrer sous ces globalités ou sous ces généralités ce qu'ils veulent. C'est comme si nous disions, par exemple, c'est des propos que vous pouvez entendre à notre époque. Certaines personnes disent l'islam c'est une religion d'amour. Vous avez déjà entendu ça? L'islam c'est une religion d'amour. C'est une parole qui est une portée générale, qui n'est pas fausse en soi. Si on détaille, c'est une religion d'amour envers qui? Envers les croyants. C'est pas une religion d'amour envers les mécréants. Je vous rappelle les propos d'Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il est parti vers son peuple, il a dit Inna bura'au minkum wa mimma ta'budun. Illa alladhi fatarani fa innahu sayhadin. Je me désavoue de vous et de ce que vous adorez. Et je m'allie qu'avec celui qui m'a créé. Et il a dit Wa bada baynana wa baynakum al'adawatu wal bardha ila yawm al-qiyamah. Il y aura entre moi et vous ou entre nous et vous l'inimité et la haine jusqu'au jour du jugement. هذا كلام من هذا كلام إبراهيم نعم. Donc quand on dit l'islam c'est une religion d'amour, il faut détailler. Et pourquoi ces gens là ils disent ça, c'est une religion d'amour? Légitimer beaucoup de choses, le fait de pouvoir s'allier avec des mécréants, le fait de pouvoir aimer des mécréants, de pouvoir fêter leurs fêtes, etc. Ça légitime beaucoup de choses, non? Donc une des caractéristiques des gens de la bida'a, c'est que ils suivent ces versets à ambiguïté. Troisième caractéristique, ittiba'ul hawa. Ils suivent leur passion. Et pour ceci, Allah dit tabaraka wa ta'ala, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. N'as-tu pas vu, ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Qala Allah tabaraka wa ta'ala, écoutez bien ce verset, ce verset est très important. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Mais s'ils ne répondent pas à ton appel. Donc Allah ici s'adresse au prophète, il dit, et si ces gens-là ne répondent pas à ton appel, s'ils ne suivent pas ta sunna, s'ils ne cheminent pas sur ta voie, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah? Allah ne guide pas les gens injustes. Ce verset-là, mes frères, il est très important pour celui qui médite un peu dessus. لأن المؤلف يقول وفي الآية دليل على أن كل من لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يذهب إلى هدى وإنما ذهب إلى هوى. Il dit ce verset constitue une preuve sur le fait que toute personne qui ne répond pas à l'appel de l'envoyé d'Allah et qui se dirige vers une voie discordante de celle de l'envoyé, il ne se dirige pas en fait vers la guidée, mais il se dirige vers la passion. Donc vous voyez que dans ce verset coranique, de deux choses l'une. Ou bien on répond à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on est sur une guidée, ou bien on ne répond pas à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on suit nos passions. Al-qismatu thunaiyatun. C'est une division qui se divise en deux. Il n'y a pas de troisième voie. Ou bien on est sur la voie du prophète, et la voie du prophète correspond à la guidée, ou bien on est sur une voie dissidente, et Allah nous dit que tous ceux qui dérogent à la voie du prophète et qui suivent une autre voie que celle du prophète, ceux-là suivent leur passion. Et Allah dit concernant ces gens-là, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Allah ne guide pas les gens injuste. Donc, ce verset, mes frères, il est clair. Il doit nous faire réfléchir, Inch'Allah. Allah dit aussi, tabaraka wa ta'ala, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ. Et Allah dit aussi, tabaraka wa ta'ala, vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Et Allah l'égare sciemment.
قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: إنما يأتمر بهواه فمهما رآه حسنا فعله ومهما رآه قبيحا تركه. وعن مالك: لا يهوى شيئا إلا عبده. Ce qui signifie, ابن كثير dit, c'est-à-dire, concernant le verset coranique que je vous ai cité juste avant, il dit, c'est-à-dire qu'il s'est obstiné dans ses passions, dès qu'il la voit bonne, il la fait. Dès qu'il la voit mauvaise, il ne la fait pas. On avait déjà vu ça, mes frères. Naam, ceux qui font devancer leurs sentiments sur les textes religieux. Naam, arbab al-awatif. Naam, alladhina yuqaddimuna al-ahwa 'ala an-nusus ash-shar'iyya aw 'ala al-ittiba'. Naam, yuhakkimuna al-ahwa. Ils prennent comme voie leur passion. Naam. Et l'imam Malik a dit: La yahwa shay'an illa 'abada. La yahwa shay'an illa 'abada. Il n'aime pas une chose sans l'adorer. Al-hawa qad yutlaq 'ala al-hubbi. Naam. قد هوى لمن مالك الذي لا يهوى أي لا يحب شيئا إلا عبده sans qu'il n'arrive à l'adorer. Donc le هوى ici c'est il a le sens de الحب, comme c'est aussi rapporté dans un hadith du prophète qui est faible mais dont le sens est authentique chez les savants. Il était dit que le prophète a dit صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Nul d'entre vous ne sera un véritable croyant tant que ses passions ne soient en conformité avec ce avec quoi je suis venu. Le hadith, min nahiyati sanad, da'if. Min nahiyati matni, sahih. Savant, on dit que le hadith est da'if, mais bien que certains l'ont authentifié. Mais il est da'if le hadith. Mais son sens, chez les savants, il est authentique. Car il est corroboré par d'autres hadiths du prophète. Effectivement, la personne, ses hawa, ses passions, elles doivent être en conformité avec ce avec quoi est venu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la guider et de la voie droite. يقول المؤلف: إذا حكم الهوى استغلق العقل وسدت منافذ التفكير فلا نظر إلى الآيات البينات ولا إلى الدلالات الواضحات. لأن الهوى يرد ذلك كله ويعرض عنه فيصبح المرء أسيرا لسلطان الهوى تختلط عليه المسالك وتشتبه عليه الدروب وتظلم في طريقه سبل الحق والهداية. هذا c'est la parole de Cheikh Raslan. Il dit: lorsque la passion prend le dessus, elle vient annihiler la raison, la fermer, et les fenêtres de la réflexion s'obstruent. Il ne considère plus les versets clairs ni ses preuves, car les passions rejettent tout ceci et s'en écartent. Non, les passions rejettent le fait de prendre, de puiser ou de s'appuyer sur les versets clairs et évidents. L'homme deviendra alors prisonnier du pouvoir de la passion. Et les voies de bien s'entremêleront devant lui et les chemins se confondront. Et les chemins de la vérité et de la guidée s'obscurciront. C'est clair? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, d'après un hadith qui a été authentifié, rapporté par l'imam Ahmad al-Musnad, et authentifié par Cheikh al-Albani, wa ghayruhu min ulama ahli al-hadith, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala, ala al-jami'a. An abi amirin al-hawzani, أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه قام فيهم فقال أبي عامر الهوزني تابعي qui a rapporté de معاوية ابن أبي سفيان. أبو سفيان s'est levé parmi les gens. قام فيهم فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا. Il a dit: le prophète صلى الله عليه وسلم s'est levé parmi nous. Il a fait exactement comme a fait le prophète صلى الله عليه وسلم. Ça, c'était quelque chose qui était connu chez les Sahaba, c'est qu'ils imitaient le prophète quand ils rapportaient le hadith, la narration. Ils faisaient exactement les gestes que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète, l'attitude du prophète aussi, elle a son importance. Il y a des leçons à prendre, même dans l'attitude du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors il s'est levé, Muawiya, il a dit: le prophète s'était levé parmi nous et nous avait dit,
ala inna min qablakum min ahli al-kitab iftaraku ala 72 millatan. Il y avait avant vous les gens du livre qui se sont divisés en 72 sectes. Wa inna hadhihi al-millata sataftariku ala 73, alors que cette communauté se divisera en 73 sectes. 72 fi an-nar. 72 seront destinés au feu et une seule au paradis. Wa wahidatun fil janna wa hiya al-jama'a. Et c'est le groupe. Naam. Hadith authentique du prophète. La communauté se divisera en 73 sectes. Elles seront toutes destinées au feu de l'enfer, sauf une seule, Al-Jama'a. Dans une autre version du hadith, Ma hiya ya Rasulallah, قال ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية أخرى ما أنا عليه اليوم وأصحابي. C'est ce sur quoi je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. Wal-Jama'a ici, Jama'atul Muslimin, min al-Ra'il al-Awwal. C'est le premier groupe de croyants qui sont en fait les Sahaba en premier lieu. Hadhihi al-Jama'a. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيخرج من أمتي أقوام تجار بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. Il dit le prophète صلى الله عليه وسلم sortira de ma communauté des gens desquels seront imprégnés en eux les passions, comme s'imprègne la rage chez un individu. Vous savez qu'un individu, lorsque la rage le touche, c'est tout son corps qui est touché. Ses articulations, ses veines, sa peau, ses muscles. Alors que le prophète a donné cette image pour dire que ces passions, elles s'imprégneront dans le corps de ces gens-là, comme la rage s'imprègne dans le corps d'une personne qui est touchée par la rage. Non. Puis le prophète dit à Aïssatou Assalam, ne laissant aucune partie de son corps sans qu'elle ne le touche. Non. Ni articulation, ni port de la peau, rien. Tout sera touché. Tout ça pour dire, mes frères, que lorsque la passion prend le dessus chez une personne, elle l'emmène à sa perte. Elle l'emmène à sa perte. Pour pallier à ce problème, nous devons revenir à quoi ? À la source pure, à ce sur quoi était le prophète, ainsi que les compagnons du prophète. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mettons les passions de côté, mettons la raison aussi de côté, à l'opposé, là. Et soyons, comme disait Abdullah ibn Mas'oud, « Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum » Suivez et n'innovez pas, ceci vous suffit. Si vous espérez un jour rentrer au paradis, suivez cette voie-là. Suivez les traces des pieux prédécesseurs. Sahaba, le prophète Sahaba, et n'innovez pas dans la religion. Non ? Ça, c'est la troisième. La quatrième alama, c'est ceux qui opposent la sunna au Coran. Non ? C'est ceux qui mettent en opposition le Coran et la sunna. Ça existe, mes frères, même à notre époque. Ça y est. Pour ceci, pour expliquer ceci, أتى المؤلف بحديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح رواه ابن ماجه وغيره من أئمة الحديث وصححه شيخنا الألباني وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه السمة من سمات أهل البدع أي معارضة السنة بالقرآن فقال صلى الله عليه وسلم يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول بينكم وبيننا كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه هكذا يقول ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. نعم هذا لفظ ابن ماجه. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, écoutez bien ce hadith. Peu s'en faut dans le temps pour qu'un homme accoudé sur son lit ou sa couche, écoutant un de mes propos, dire entre nous et vous le livre d'Allah. Entre nous et vous le livre d'Allah qui viendra juger et trancher entre nous.
Ce que nous trouvons en lui comme licite, nous le considérons comme tel, c'est-à-dire licite. Et ce que nous trouvons en lui comme illicite, haram, nous le considérons comme tel. Certes, ce que l'envoyé a interdit est comparable à ce qu'Allah a interdit. Donc le prophète nous explique dans ce hadith que des gens viendront et qui diront ce qui tranche entre nous, ce n'est que le livre d'Allah. La sunna du prophète n'a pas d'ingérence dans ceci. Non ? Il n'y a que le livre. Baynana wa baynakum kitab Allah. Ce qu'il y a de halal dedans, de licite, on le déclare licite. Ce qu'il y a d'illicite, on le déclare illicite. Non ? En faisant abstraction de la sunna du prophète. Alors que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, certes, ce que l'envoyé d'Allah a interdit est comparable à ce qu'Allah a interdit. C'est la même chose. Oh, je vous l'avais déjà expliqué ça. C'est que dans les lois religieuses, on ne fait aucune distinction entre la parole d'Allah et la parole du prophète. Naam. Man yuti'a rasoul, faqad ata'a Allah. Naam. Ati'u Allah wa ati'u rasoul wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah et obéissez à l'envoyé d'Allah. Naam. Et les versets sont nombreux là-dessus. Donc dans fil arkam shar'iyya, dans les lois religieuses, la parole d'Allah et la parole du prophète ne font qu'une. C'est exactement la même chose. Or, ces gens-là disent quoi ? Ils disent non. Dans les lois religieuses, le Coran, il a un degré au-dessus. Ceci, c'est une grave erreur de dire ça. Car le Coran ne peut être compris et expliqué que par la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. As-sunnatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, hiya allati tubayyinu wa tufassir al-Qur'an al-Karim. Naam. ولولا السنة ما فهمنا القرآن أبدا نعم في القرآن وتجدون في القرآن العام تخصصه السنة وتجدوا في القرآن المطلق تقيده السنة وهكذا vous trouverez des versets comme on l'a expliqué tout à l'heure, des versets à portée générale dans le Coran, mais qui seront restreints par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Par exemple, Allah nous dit tabaraka wa ta'ala aqimi salata liduluki ash-shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Donc ce verset coranique, on a le fait qu'Allah a légiféré les cinq prières quotidiennes. Non, aqimi salata liduluki ash-shamsi ila ghasaqi al-layl. Accomplis la prière dès le déclin du soleil jusqu'à ghasaqi al-layl, jusqu'à la pénombre de la nuit. Wa Qur'an al-Fajr. Donc, du déclin du soleil, on en déduit quoi ? Al-Dhuhr. Parce que le soleil commence à décliner à partir de Dhuhr. Vrai ou non ? Le soleil est à son zénith, il commence à décliner. Duruk al-Shamsi. Ça, c'est Dhuhr. Ça comprend aussi quoi ? Al-Asr. Maghrib. Ou al-Isha. Et là, Ghasaq al-Layl. Dès que Ghasaq al-Layl est arrivé, on ne prie plus. Wa Qur'an al-Fajr. La prière du Fajr. Donc on a ces cinq choses-là. Comment on pourra expliquer le temps qui nous est imparti pour faire le Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha, entre ces quatre prières, si ce n'est par la sunna du prophète, est-ce que ceci a été explicitement évoqué dans le Coran ? Non. C'est la sunna qui vient nous l'expliquer. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres qui vient nous montrer le fait que le Coran ne peut être compris si ce n'est par l'intermédiaire de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Donc, ces gens-là, ils te disent non. Ils te disent, nous prenons comme référence le Coran. Had wal hakimu baynana. Khalas. Amma sunna, on la met de côté, en arrière-plan, si on peut dire comme ça. Non. Regardez ce que dit l'imam al-Khattabi. L'imam al-Khattabi yaqoul concernant ce hadith. Fil hadithi dalilun ala annahu la hajata bil hadithi an yu'rad ala al-kitab wa annahu mahma thabata an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kana hujjatan bi nafsihi. Il dit dans ce hadith, il y a une preuve montrant qu'il n'est pas nécessaire d'exposer le hadith à la lumière du Coran. C'est-à-dire que le hadith, il constitue en lui-même une preuve. Naam, dalilun binafsihi. On n'a pas besoin
de légitimer la sunna par un verset du Coran. La sunna, elle se suffit en elle-même. Non. Il y a des choses que on ne trouvera pas dans le Coran, mais on les trouvera seulement dans la sunna du prophète. Est-ce que ceci veut dire que on ne doit pas s'appuyer sur ça, sur ce hadith? Non. Car la sunna en elle-même, qui est la parole du prophète, constitue un dalil en lui-même, une preuve, un argument sur lequel on s'appuie. Même s'il n'est pas évoqué, même si ce principe, cette loi, elle n'est pas évoquée dans le Coran. Non? Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas évoquées dans le Coran, mais qui sont que dans la sunna. On le prend quand même. Non? C'est en ceci, c'est le sens de la parole de l'imam al-Khattabi, lorsqu'il dit « Ha fil hadith dalilun ala annahu la hajata bil hadith an yu'arada ala al-kitab » On n'a pas besoin de légitimer la sunna à travers le livre d'Allah. Les deux sont des sources de législation indépendantes, c'est-à-dire qu'elles ont le même degré dans l'argumentation. Il dit aussi, dès lors que le hadith a été établi comme venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devient un argument lui-même. Naam, annahu mahma thabata 'an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kana hujjatan bi nafsihi. طيب وَأَمَّا مَا رَوَاهُ بَعْضُهُمْ Quant à ce que rapportent certaines personnes parmi les gens d'innovation, effectivement, il y a un hadith du prophète, mais qui est faible et qui est même inventé. Mordour. Regardez ce que dit l'imam al-Khattabi. Il dit وَأَمَّا مَا رَوَاهُ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ قَالِ إِذَا جَاءَكُمُ الْحَدِيثِ فَعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ وَافَقُوهُ فَخُذُوهُ فَإِنْ وَافَقَهُ فَخُذُوهُ وَإِنْ خَالَفَهُ فَدَعُوهُ نعم. Ils disent, en disant que c'est un hadith du prophète, ils disent, lorsque le hadith vient à vous, exposez-le à la lumière du Coran, du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. S'il vient en conformité avec le livre d'Allah, prenez-le. S'il vient en non-conformité ou en désaccord ou en opposition avec le livre d'Allah, laissez-le. Alors l'imam al-Khattabi, il dit quoi? Il dit « فَإِنَّهُ حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ » C'est un hadith invalide, nul, sans fondement. « وَقَدْ حَكَ زَكَرِيَ بْنُ يَحْيَ السَّاجِي عَنْ يَحْيَ بْنُ مَعِينَ رَحْمَةُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ » Donc il dit « Zakariya ibn Yahya al-Saji a rapporté de Yahya ibn Ma'in » Ça, c'est des grands savants du hadith. Qui a dit « هَذَا حَدِيثٌ وَضَعَتْهُ الزَّنَادِقَ » Il dit « C'est un hadith qu'on forgeait الزَّنَادِقَ » On avait dit que الزَّنَادِقَ, c'est qui? الزَّنَادِقَ, c'est un terme générique sous lequel rentrent tous ceux qui ont apostasié leur religion, tous ceux qui montrent une fausse dévotion, hein, tous ceux qui ont des paroles étrangères à l'islam, hein, tous ceux qui s'opposent, qui combattent ouvertement la sunna du prophète, rentrent dans Zanadiqa toutes ces catégories de personnes. Alors, Yahya ibn Ma'in a dit, ah, c'est un hadith qu'ont inventé Zanadiqa. Pour légitimer quoi? Pour légitimer le fait qu'ils ne prennent que du Coran en délaissant la sunna du prophète. Vous avez compris? Non. L'imam al-Barbahari a dit, وَإِذَا سَمِعْتَ رَجُلَ يَتْعَنُ عَلَى الْآثَارِ أَوْ يَرُدُّ الْآثَارِ أَوْ يُرِيدُ غَيْرَ الْآثَارِ فَاتَّهِمْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَا تَشُكَّ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوَنْ وَمُبْتَدِعَ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوَنْ مُبْتَدِعَ Donc l'imam al-Barbahari, qui est très connu, qui a dit, si tu entends un homme intenter aux traces, ou bien les récuser, les traces qu'on dit l'athar, c'est tout ce qui vient du prophète et des compagnons, qui vient intenter, ou bien récuser les traces, ou les rejeter, ou vouloir autre que ces traces-là, alors met en doute l'intégrité de sa religion. Hein, met en doute l'intégrité de son islam et ne doute pas que c'est un homme de la passion et de l'innovation. Hein? Donc c'est des critères de jugement qu'on doit avoir, qu'on doit appliquer concernant ces catégories de personnes. Il rapporte aussi le mu'allif d'autres propos, mais pour ne pas être trop fastidieux, je ne m'en suis tenu qu'à ceci, inshallah, pour ceux qui veulent plus de athar sur cette alama, ce signe distinctif qui est le fait de rejeter ou d'opposer la sunna au Coran, il revient au livre, Inch'Allah. Et enfin, pour finir le cours, Inch'Allah, je vous donne le cinquième alama, le cinquième signe distinctif, tout en vous rappelant que Al-Mu'allif, on a cité 12 dans ce chapitre. D'accord ?
Aujourd'hui, on s'en tiendra qu'à 5 seulement, Inch'Allah. Qui sont les 5 plus importants et récurrents. وَمِنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ الْبِدَعْ بُغْضُ أَهْلِ الْأَثَرْ. C'est l'aversion qu'ils ont envers les gens de la sunna. Et le fait de les nommer par des qualificatifs ou des dénominations mauvaises. Comme on le verra, Inch'Allah. Mu'allif yaqul, فَلَا تَجِدُ مُبْتَدِعًا قَطُّ يُحِبُّ أَهْلَ السُنَّةِ. Tu ne verras jamais un innovateur aimer les gens de la sunna. Ceci, mes frères, doit nous interpeller. Car nous nous revendiquons tous de la sunna. C'est vrai ou non? On espère y faire partie, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Non. Lorsque vous voyez un innovateur, quelqu'un qui est sur une voie dissidente, contraire, en opposition à celle du prophète, et qui vous aime pour votre religion, alors vous devez vous poser des questions. Car si il m'aime, c'est que je suis sur quelque chose sur laquelle il est en accord avec moi. Non? Donc on doit se poser la question. Pourquoi il m'aime? Est-ce qu'il est revenu lui sur les gens vers les gens de la sunna? Ou alors c'est moi plutôt qui ai glissé vers les gens de l'innovation? Non? Donc, on doit faire toujours ce travail d'investigation personnelle. À savoir, si les gens de la passion m'aiment dans ma religion, je dois me poser cette question. Est-ce que je suis comme eux ou alors c'est eux qui sont comme moi? Non? Vous avez compris, les frères? Car il est connu depuis 15 siècles, depuis l'avènement du prophète, que la vérité et le faux ne sont jamais en accord. Sont toujours en opposition. Le prophète, qui est le premier des salafs, a été injustement trahi, combattu, dénigré, chassé de sa ville natale et d'autres choses, toutes sortes de préjudices. Pourquoi? Alors que c'était quelqu'un qui était bien aimé avant son mandat prophétique, avant l'avènement de l'islam. Il était bien aimé auprès des gens, où il était connu par de nobles qualités. Qu'il a gardé par la suite, bien sûr. Mais dès lors qu'il a appelé à la vérité, les gens du faux se sont opposés à lui. Même parmi eux, les membres de sa famille, Abu Lahab, entre autres. Donc, les gens de la sunna, ou les gens de la bid'a, de l'innovation, vous ne trouverez jamais un amour qu'ils portent vers les gens de la sunna. C'est impossible. Si c'est le cas, alors, il va falloir s'accuser soi-même, se critiquer soi-même, à savoir est-ce que je suis sur la voie droite ou alors c'est plutôt eux qui sont revenus vers une voie de droiture, sur la voie droite. Tu ne verras jamais des gens de l'innovation aimer les gens de la sunna. Mais au contraire, il se met en posture de guerrier, le combattant de tout ce qu'il possède comme force. فقد روى عن الحاكم عن جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي عن أحمد بن سنان القطان قال ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه أعاذنا الله من ذلك. الحاكم rapporte de جعفر بن أحمد بن سنان ابن Al-Wasiti, d'après Ahmed ibn Sinan al-Qattan, qui a dit, il n'y a pas dans cette dunya, dans cette vie-là, un innovateur sans qu'il n'ait de l'aversion et de la haine pour les gens du hadith. Lorsqu'une personne commet une innovation religieuse, la douceur du hadith, halawatul hadith, l'amour du hadith du prophète, est extraite et arrachée de son cœur. Qu'Allah nous en préserve. Faqad rawa al-Hakim an Abi al-Hussein محمد بن أحمد الحنظلي قال سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل. الحاكم rapporte d'après Abu al-Hussein محمد بن أحمد الحنظلي
qui a dit, j'ai entendu Mohammed ibn Ismail al-Tirmidhi dire, j'étais ainsi que Ahmed ibn al-Hassan al-Tirmidhi chez Imam al-Din. Regardez comment il l'appelle. Imam al-Din. L'imam de cette religion. Abu Abdullah Ahmed ibn Hanbal. Naam, on a vu que Ahmed ibn Hanbal, imam ahli sunnati wal jama'a. L'uqiba bi hada al-laqab. Wastahaqqa hada al-laqab. Faqala lahu Ahmed ibn al-Hassan, ya Abu Abdullah. Donc il a interpellé l'imam Ahmed en disant, ya Abu Abdullah. Dhakaru l'ibn Abi Qutaylata bi Makkata ashab al-hadith. On a évoqué, ou certaines personnes ont évoqué les gens du hadith auprès de Abi Qutaylata à Mecca. Certaines personnes ont parlé des gens du hadith, ont évoqué les grands savants du hadith auprès de Abi Qutaylata bi Makkah. Faqal Abu Qutaylata Ashabul hadith qawmu su. Les gens du hadith, ce sont des gens mauvais. Faqama Ahmed ibn Hanbal. Donc l'imam Ahmed il s'est levé. Yanfudu thawba, en époussiérant comme ça son vêtement. Wa yaqul zindiqun زنديق زنديق حتى دخل البيت. Il a dit هذا زنديق 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 trois fois puis il est rentré chez lui. هكذا حكم عليه بالزندقة. On avait vu ce que c'est dire زنديق. زنديق c'est un terme générique mais tous ceux qui s'écartent, d'accord, ouvertement, en général زندقة c'est ouvertement de la voix du prophète, de dire des gens du hadith que c'est des gens mauvais. C'est vraiment être allé très loin dans l'arrogance et dans l'insulte envers les gens du hadith. D'après Abi Nasr ibn Sallam al-Faqih, qala laysa shay'un athqala 'ala ahli al-ilhad wa la abghada ilayhim min sama' al-hadith wa riwayatihi bi isnadihi. Non, c'est quelque chose qui est connu aussi mes frères. D'après Abi Nasr ibn Sallam al-Faqih, il a dit, il n'y a pas une chose plus lourde à supporter sur les gens de l'ilhad, les gens de la déviance. Et il n'y a pas une chose qu'ils aient le plus en aversion si ce n'est l'écoute du hadith avec ses chaînes de transmission. On avait dit que les gens des soufis, ils disaient Antum ta'khudhuna dinakum Naam Min mayyit an mayyit Hakada Naam Min ar-rijal Wa nahnu na'khudhu dinana min al-hayy alladhi la yamut hakadha yaqulu as-sufiyya ha vous prenez votre religion des morts hadathani fulan hadathani fulan hatta yarfa'u as-sanadu hatta yarfa'u as-sanadu ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa hum yaqulun wa nahnu on prend la science du vivant qui ne meurt jamais Allah nam hadathani qalbi an rabbi hakadha yaqulun idhan yantaqidun ahla as-sunnati wal jamaa'a bi annahum يروون الحديث نعم حتى يرفع السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم بكلام عبد الله بن مبارك يقول لولا السند لقال من شاء ما شاء في دين الله تبارك وتعالى s'il n'y avait pas la chaîne de narration n'importe qui pourrait dire ce qu'il veut sur l'islam c'est en ceci que les gens d'innovation n'aiment pas écouter le hadith avec ses chaînes de narration نعم ils voudraient avoir le champ libre pour dire ce qu'ils veulent croire ce qu'ils veulent. Mais la chaîne de narration, elle est là pour les ramener à la réalité des choses. Naam, au droit chemin. Alhamdulillah, les seuls qui s'appuient sur des chaînes de narration pour relater les faits et gestes de leurs prophètes, c'est les gens de la sunna. Que ça soit dans l'islam ou que ça soit à travers toutes les religions qui existent dans le monde. Les seuls qui rapportent les faits et gestes de leurs prophètes avec des chaînes de narration ininterrompues jusqu'aux prophètes, c'est les gens de la sunna. الحمد لله رب العالمين ونحن نفتخر بذلك ونشكر الله تبارك وتعالى على تلك النعمة العظيمة أما les autres لا يعتبرون السند ولا الرواية ولا الحديث بصفة عامة il n'attache aucune importance au hadith à ces chaînes de narration et encore moins à l'étude des chaînes de narration quant à savoir si le hadith est valide, authentique, fiable ou défectueux et non fiable. فقد روى بسنده عن أبي حاتم
Donc, l'imam Sabouni, qui est un grand savant qui a relaté aussi les fondements des gens de la Sunna, rawa bi sanadihi an Abi Hatim al-Ghrazi. Il rapporte par une chaîne de transmission d'après Abi Hatim al-Ghrazi, qui est un des grands savants du hadith, qui a vécu à l'époque de l'imam Ahmed et autres. Cet imam-là, il a dit alamatu ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Il a dit un des signes distinctifs des gens de l'innovation, c'est qu'ils médisent. Ils médisent sur les gens de la sunna, les gens du athar, comme c'est connu. طيب اقتفي بهذا القدر واسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا ويهدي بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وحسره لا تنقضي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وقل رب زدني علما